Bonjour à tous, c'est Momo. Je vous trouve actuellement en salle à Fitness Park Herblay. Aujourd'hui, je suis avec Philippe. Bonjour. Philippe Cartry, coach en diététique et athlète en culturisme. Ça va, Philippe? Bonjour. Ça fait plaisir. Ouais, pas de soucis. Encore une fois, ici à la salle. Donc, Philippe, ça fait plaisir de te voir. Encore une fois. Donc, les amis, aujourd'hui, on va parler sur la prise de masse. Donc, il y aura 5 questions pour les débutants. Donc, qu'on pose assez souvent. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Première question. Donc, Philippe, qu'est-ce qu'une prise de masse? Alors, une prise de masse, normalement, c'est la construction de la masse musculaire de qualité en évitant de mettre du poids de corps issu de la masse adipeuse sous-cutanée. D'accord. Ok. Et combien de poids de corps faut-il prendre alors, prise de masse? Raisonnablement, naturellement, pourrait générer, construire 2 à 3 kilos, 2 kilos par an. Par an. Pour les athlètes déjà confirmés. D'accord. Ah ouais, c'est bon à savoir. Et donc, deuxième question, comment calculer son apport calorique pour la prise de masse? Alors déjà, sur les vidéos précédentes, nous avons parlé du GPL. Effectivement. D'accord. Dans ce cas de figure-là, sur la prise de masse, votre GPL sera de 421. 4 grammes de glucides, 2 grammes de protéines, 1 gramme de lipides. D'accord, parfait. Et combien de calories par jour tu conseilles, Philippe? Alors, pour un athlète ou un pratiquant de 80 kg, si vous respectez cette norme-là, du 421, dans la logique des choses, avec le calcul théorique, vous aurez un apport nutritionnel de 2640 kcal. D'accord, pour une personne de 80 kg, c'est ça? Exactement. D'accord. Et vous augmenterez progressivement votre apport en glucides, régulièrement, de semaine en semaine. Voilà, parce que là, le but, c'est de faire une prise de masse propre, les amis, donc c'est un conseil. Hein. Ça sert à de monter les calories trop vite, parce que là, après, vous allez galérer à les perdre, et vous allez passer trop de temps en sèche. Exactement. Donc, merci Philippe. Et troisième question, combien faut-il faire de repas chaque jour? Alors, votre rapport nutritionnel, c'est comme en sèche, les amis. Il doit être réparti tout au long de la journée, issu des repas principaux, issu des collations. Vous allez privilégier des collations très énergisantes, bien sûr, avant le training. D'accord. Et donc, merci Philippe. Et quatrième question, faut-il privilégier les protéines au détriment des glucides? Beaucoup de gens font cette erreur-là. Alors, c'est une erreur. L'excédent protéiné, encore une fois, passé 2 grammes, il est problématique. Il peut générer de la masse grasse. Bien sûr, c'est des calories en plus. Exactement. Alors qu'en prise de masse, c'est l'apport énergétique issu des glucides qui va être important. Effectivement. Les glucides, vous allez en apporter le matin. D'accord. Des glucides type rapide. D'accord, ça c'est le type de glucides, ouais, effectivement. Des glucides complexes pendant les repas principaux. Et de nouveau des glucides rapides avant votre training. D'accord. Il va avoir un glucogène. Beaucoup de sucre dans la masse musculaire disponible pendant l'entraînement. Effectivement. Pour ne pas cataboliser. D'accord, pour faire des belles séances et congestionner derrière. Donc IGO avant entraînement et le matin. Voilà, et le soir, effectivement, des glucides toujours hein, dans l'assiette. Par contre, privilégier un indice glycémique le plus bas possible. D'accord, dans les autres repas. Ça marche. Ok, merci Philippe. Hein. Réponse de réponse. Et cinquième question et dernière question les amis, donc faut-il prendre des suppléments, des compléments alimentaires pour un débutant? Est-ce qu'il faut les prendre en fait? Alors, en prise de masse, votre apport nutritionnel en calories pures, il va être énorme, d'accord? Avec ce calcul-là, 421 GPL. Vous allez manger plus. Ça va faire beaucoup de quantité dans l'assiette. Alors, pendant les repas principaux et les collations. Alors, pour des fois, pour les questions pratiques, de timing, de logistique, on pourra peut-être certainement utiliser de la protéine shaker. D'accord. Donc, quel type de protéine? Alors, dans ce cas de figure-là, on ne parle plus de whey ni d'iso. Il existe des shakers protéinés issus de gainers qui peuvent être qualitatifs maintenant. C'est-à-dire que l'apport glucidique sera néanmoins important, mais de qualité. De qualité, effectivement les amis. Donc actuellement sur le marché, je pense qu'il y a des gainers de qualité. Donc ne négligez pas, comme font certains. Choisissez le bon gainer. Alors certains gainers, par exemple, pour 100 grammes, vont libérer 360 kcal. Excellent. 48 grammes de glucides, 34 grammes de protéines et seulement 2 grammes de lipides. D'accord. Alors très intéressant parce que
des goûts variés et néanmoins digestes. D'accord, effectivement. Super. Voilà. Donc merci à toi Philippe. Hein. Et voilà, nous avons fait le tour aujourd'hui. Donc c'était sur la prise de masse. Donc là, on est au mois de septembre bientôt. Les gens reviennent des vacances. Et du coup, ils vont partir sur cette prise de masse. Donc voilà, merci à toi Philippe. Bientôt les amis. Donc merci à toi. À une prochaine. Donc retrouvez ici Philippe à la salle, donc dans Fitness Park Herblay, tous les lundis de 14h30 à 19h30, pardon. Donc n'hésitez pas et je mettrai ses coordonnées en commentaire. Et pour les personnes qui ne sont pas encore parties en vacances, allez voir nos précédentes vidéos qui étaient axées sur la masse sèche. Exactement. Merci à toi Philippe. À bientôt les amis. À bientôt. Au revoir. Ciao.